petite chaumière, située dans une paisible vallée entourée d'arbres et de rivières, vivait Monsieur Nobody. Il était très malade et son fils Zadona, qui s'occupait de lui, essayait désespérément de le guérir. Encore une bouchée, c'est bien pour toi. Mon fils, je suis désolé, mais je n'ai vraiment pas l'appétit. Fais-le pour moi, je t'en prie. Non. Tu vois, la seule chose qui pourrait m'aider serait les médicaments faits avec la racine des sept murs. Mais il ne faut pas baisser les bras pour autant. Il faut garder la foi. Je vais la chercher. Tu es bien sage pour un gamin de ton âge. Dove, où es-tu? Te voilà. Tu vas aller faire un tour dans la forêt? T'es prêt ou quoi? Je dois me forcer. Ça devrait être bon. Ouais. Oh, je pourrais faire un thé avec cette fleur pour aider mon père. Oh non! Enfant pris au piège! Qu'est-ce que je pourrais faire? Soucis, mon petit. Tu peux repartir maintenant. Tu vas bien, j'espère. Grâce à toi, tout va bien. Je veux te rendre l'appareil. Suis-moi et je te montrerai quelque chose de spécial. Ça doit être important. Allons-y, suis-moi. Tu vas adorer. J'en crois pas mes yeux, c'est pas vrai! Est-ce possible? La racine des sept murs? C'est un miracle! Je peux faire le médicament de mon père! Je ne pourrai jamais assez le remercier! J'ai une chance de pouvoir sauver mon père! Merci! Merci à toi! Merci! Merci! Extraordinaire, mon fils. Comment as-tu réussi à en trouver? Père, je t'ai dit d'avoir la foi et que tout se passerait bien. Dove a trouvé un fan pris au piège. Et quand je l'ai libéré, il m'a conduit à la racine. C'est incroyable! J'ai hâte de voir votre racine. Montre-nous la racine, je veux la voir. C'est incroyable. Oh, wow, c'est magnifique. C'est un J'ai hâte de le dire à tous mes amis. La chance sourit à notre village. Oui, c'est vrai qu'on a eu de la chance. Ma grand-mère doit sa vie à cette plante. Quand elle était petite, elle avait une maladie qu'aucun médicament ne pouvait guérir. Mais la racine de cette plante réussit cet exploit. C'était un miracle. Nous devons la protéger comme s'il s'agissait d'un précieux diamant. Cette plante a des pouvoirs extraordinaires. Père pourra enfin aller mieux. Hé, hey, Ming! Tu vas aller pêcher? Bien sûr, je vais aller chercher le filet. Je reviens bientôt, père. Oh, allez, va, mon fils. Allons-y, c'est parti. Ils vont tellement à la pêche, ces deux gars-là, qu'on se demanderait s'il reste des poissons dans la rivière. Je connais des pêcheurs qui ne passent pas autant de temps à l'eau que cela. Je crois qu'on peut dire que les poissons ne les apprécient pas autant que nous, n'est-ce pas? Ça me rappelle, j'ai entendu parler du pêcheur Ajazir dont on attendait le retour, mais il n'a pas encore posé l'ancre et personne ne l'a vu ou a eu de ses nouvelles. On se fait du souci. Je crois qu'on ne devrait pas s'en faire. Ajazir est un guerrier. Il est jeune, fort et peut très bien s'occuper de lui tout seul. Il nous a toujours protégés. Tellement de temps a passé, peut-être devrions-nous essayer de le trouver. Ouais. Qu'en pensez-vous? Je pense que nous devrions rester calmes et ne pas se laisser dominer par nos peurs. Zadona,
Tu penses que la pêche sera bonne aujourd'hui? On peut peut-être retrouver ce fan pour lui demander où se cachent tous les poissons. Je pense que c'est plutôt les daims. Oui, les voilà. Les poissons sont intéressés par les murs. Mais je crois qu'on s'en sortira très bien tout seul. Là. Attention. Oh oui. Ouais, regarde comme il est gros. Je savais que c'était notre tour de chance. J'ai besoin de vous. Mais... J'ai besoin d'aide, tout de suite. Qu'y a-t-il? Quel est le problème? Viens, regarde. Ajazir, il ne répond pas. Ajazir, réponds-moi. Il faut que vous allez au village. Dépêchez-vous. Ajazir, ça va? Il est sérieusement touché. Ça ira plus vite si je prends l'autre cheval et l'amène au village. Ajazir, mon pauvre enfant. Je te reviens, je vais demander de l'aide à Nobody. Je ne sais pas quoi faire d'autre. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Oh, quoi, vous voulez ma racine? Crois-moi, je n'aurais jamais osé demander. Mais il est tellement blessé que je n'ai pas eu le choix. Mais comprenez-moi, la racine est la seule chose qui puisse me guérir. C'est vrai, mais c'est la seule chose qui peut lui sauver la vie. Oh. Et ça lui sauvera la vie? Père, bois ça. Je l'ai fait spécialement pour toi. Merci, mon fils. Tout ça sera bientôt fini et tu n'auras plus à t'inquiéter pour moi. Bien sûr, père. Avec cette racine, tu iras mieux. Oui, la racine. Je devrais aller la chercher. On devrait préparer le médicament. Et comme ça, demain, tu iras déjà mieux. J'en suis sûre. Zadona, je suis vraiment désolée. Mon intention n'était pas que tu sois fâchée. La racine? J'y crois pas. Quelqu'un l'a volée? Non, mon enfant. Je l'ai donnée au doyen du village pour qu'il s'occupe d'Ajazir. Mais pourquoi? Cette racine est à nous. Je l'ai trouvée. C'était censé te guérir, père. On n'aura pas la chance d'en trouver une autre. Qu'est-ce qu'on va faire? Zadona, mon enfant, je n'avais pas le choix. Si je ne lui avais pas donné, Ajazir serait sûrement mort. Et Ajazir a risqué sa vie tant de fois pour sauver le village. On a besoin de lui. Souviens-toi quand le messager du gouverneur est venu et que les soldats lui ont demandé une taxe que nous n'avions pas et qui nous avions déjà payée. Il nous a protégés. C'est grâce à lui que nous sommes toujours en vie. Je ne tolère pas l'incompétence. Détruisez le village et brûlez-le. Ajazir n'était pas arrivé à ce moment-là, personne n'aurait survécu. J'étais blessé par une flèche et il m'a sauvé la vie. Comprends-moi, les gens du village doivent une fière chandelle à ce guerrier qui nous a toujours défendus et a risqué sa vie pour nous. Il n'a jamais pensé à sa propre vie et aujourd'hui, c'est lui qui a besoin de nous. Père, j'ai peur pour toi. Courage, Zadona, il ne faut jamais perdre espoir. Zadona, ce matin, j'ai entendu ton père et le doyen du village s'entretenir d'un grand secret. Il y a des diamants dans les montagnes et ils sont à leur recherche, mais ils ne les ont pas encore trouvés. Des diamants? Tu es sûre? Ça me paraît bizarre. Si seulement quelqu'un pouvait trouver les diamants cachés dans la montagne. Je peux toujours essayer. Nobody, pas dans ton état. Je t'en prie, doyen, laisse-moi au moins essayer. C'est bien trop d'efforts dans ton état. Tu devras affronter les nuits froides et la rudesse de la montagne pour trouver les diamants qui y sont cachés. C'est bien trop dangereux. Je comprends bien, mais qui d'autre peut escalader cette montagne? Laisse-moi réfléchir. On ne peut pas prendre de risques. Cette montagne est très dangereuse. Les diamants sont cachés dans la calotte. Beaucoup ont voulu retrouver ces diamants, mais ils ont échoué. Le seul qui pouvait réussir était Ajazir, mais il n'en a pas encore la force.
Il faut trouver un autre moyen. Mais ces diamants nous sauveront du méchant messager du gouverneur. C'est à mon tour d'aider. Je dois trouver ces diamants. Je dois partir. Tout de suite. Je dois être courageux et affronter mes peurs. Il faut que je me concentre sur ce que je dois faire. Sauver le village du terrible gouverneur me donnera le courage de continuer. Voilà la montagne gelée. Voilà ! C'est la montagne gelée que je cherchais. Je trouverai ces diamants, même si je dois y laisser ma vie. Zadona est parti? Oui, je l'ai vu s'éloigner du village. Je pensais qu'il allait juste se promener. Où est-il donc parti, mon cher enfant?